Donc les arbres ont donc cette capacité-là de fonctionnement du vivant et ils ont une capacité aussi à se défendre contre des agressions extérieures. Dans les années 80 ou 70, 70-80, il y a un monsieur qui s'appelle Alex Chaigo, qui a un Américain qui a fait des études sur la manière dont l'arbre arrive à limiter la propagation des champignons décomposeurs de bois en son sein. Il a essayé de comprendre comment l'arbre arrivait à se défendre contre la décomposition du bois quand on faisait des plaies. Parce qu'il s'est aperçu que, comme on l'a tous vu, il y a des arbres qui sont parfaitement creux et qui sont sains. Ou alors creux et parfaitement sains. On voit l'arbre, il est complètement gros, on pourrait rentrer dedans, et puis on regarde l'extérieur, il est magnifique, il est grand, il est développé. Et puis donc il s'est aperçu que c'était pas. Quand un champignon vient, il n'attaque pas et il détruit pas tout l'arbre en fait. La plupart du temps, il y a une espèce de bataille entre le champignon et l'arbre qui fait que ils arrivent à vivre plus ou moins l'un avec l'autre. Donc il y a une coévolution. Donc ce monsieur-là, il a disséqué, il a ouvert et regardé des milliers d'arbres pour essayer de comprendre comment l'arbre arrivait à limiter la propagation du champignon et aussi à la limite comment le champignon arrivait à continuer à consommer l'arbre. Donc ça, cette chose-là s'appelle la compartimentation. Donc vous voyez par exemple ici, ça c'est un tronc de platane qui a été coupé, et puis on s'aperçoit que le tronc est parfaitement creux à l'intérieur, et toute la partie intérieure est même vide, elle s'est transformée en humus grâce à la décomposition des champignons. Et l'arbre a même mis d'ailleurs un système racinaire à l'intérieur, il se nourrit, il s'auto-nourrit. Bon, ça c'est rien de rare parce qu'en fait tous les arbres sont par nature autotrophes. Ils se nourrissent d'eux-mêmes. Hein? Un arbre il se nourrit des matières organiques qui tombent au sol. C'est qui les fait tomber? C'est lui. Donc c'est les feuilles en permanence qui fait que la plante arrive à s'auto-alimenter. Donc un arbre va arriver même en attrapant le carbone de l'air et en le mettant dans sa plante, dans son système de fonctionnement, à aggrader le sol. Donc non seulement il se nourrit lui-même, mais en plus il produit de la matière pour les autres, quoi. Donc c'est l'idée de l'agroforesterie, c'est l'idée de base de l'agroforesterie, c'est à partir de là qu'on s'est dit, mais en fait, c'est les arbres qui ont créé les sols, pourquoi on n'essaierait pas de continuer à fonctionner avec les arbres? Pas simple, l'affaire. Parce qu'on s'aperçoit que, quand même, malgré tout, les micro-organismes de prairies et les micro-organismes de forêt, c'est pas les mêmes. Alors là, c'est là où il y a le grand challenge, quoi. C'est là où c'est pas évident. Ça, c'est criant, par exemple, au niveau expérimental. Si vous, par exemple, vous arrachez une forêt et vous plantez une vigne, vous vous dites, ça va être génial. Le sol, il va être bon. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, votre vigne, elle se fait attaquer par des champignons à cet endroit-là parce que vous avez créé un déséquilibre tel que les champignons qui étaient en connexion avec les arbres et les champignons qui étaient là pour digérer le bois mort dans la forêt, eh ben, se retrouvent avec plus rien à fonctionner. Donc les seules choses qui restent, ce sont les vignes. Et donc l'idée là, c'est de faire mourir tout ça pour reconstituer un humus et faire de nouveau germer de nouveaux arbres. Donc le temps entre le moment où vous allez enlever l'arbre et le moment où vous allez pouvoir réellement planter la prairie, il va falloir un petit peu de temps avant que ça se rééquilibre, quoi. On parlait tout à l'heure de la plante et de se dire qu'on avait ces idées de gros vaisseaux et de petits vaisseaux. Là, je vous fais les gros vaisseaux, puis là, je vous fais les petits vaisseaux. D'accord? Donc, bois de printemps, bois d'été. Bois d'été, bois de printemps, ok. Donc là, je suis en train de vous faire donc en fait, ça pousse vers l'extérieur, à la limite, si je le fais dans ce sens-là. Donc l'extérieur est là, ça c'est le centre, et là c'est l'extérieur. Ok? Au printemps, un arbre, quand il pousse, il a besoin beaucoup d'eau, il a besoin de beaucoup de minéraux, donc il va fabriquer naturellement des vaisseaux plus gros pour aller alimenter sa partie aérienne. D'accord? Donc ces vaisseaux sont finalement assez gros et l'espace intercellulaire est assez important. Il y a pas mal à manger et en même temps, c'est du bois qui est fabriqué qui contient assez peu de tanins et de phénols, finalement. Assez peu de système de défense. Il est dans une optique de
croissance. La plupart du temps, d'ailleurs, les maladies sur les plantes, vous les avez au printemps, et après arrive l'été où les arbres commencent à faire durcir, à lignifier les feuilles, à outer le bois, on n'a plus de problème de champignons, quasiment plus de problème de champignons. Donc au début, au printemps, il va faire des pousses très importantes, donc il va faire des vaisseaux très importants, et puis après l'été, il va changer de stratégie. Il va plutôt essayer d'être dans une dynamique de conservation, donc il va justement à partir du mois d'août, lignifier ses branches, son bois, même ses feuilles deviennent un peu plus la pellicule des feuilles devient un peu plus dense, un peu plus indigeste pour les champignons, pour les insectes, et donc il est dans une phase de concentration, de conservation. Donc il est en train petit à petit finalement de se préparer à passer l'hiver aussi en quelque part. Donc là, il va faire des vaisseaux beaucoup plus petits qui vont être chargés davantage en substances de conservation que sont les tanins et les phénols. D'accord ? Les tanins et les phénols, finalement, vous allez vous apercevoir, on va en discuter, mais les tanins et les phénols, par exemple, les vignerons, on les connaissent bien, les tanins et les phénols. On dit bien qu'un vin est tannique, on parle bien de maturité phénolique sur le raisin. En fait, ce sont des oxydations de la sève élaborée qui fabriquent ces tanins et ces phénols qui sont la base du système immunitaire de la plante, la base du système de défense contre les agressions extérieures. Donc une plante, pour se défendre, utilise ces substances-là. D'ailleurs, si on oxyde successivement ces tanins et ces phénols, on se retrouve petit à petit avec des esters, avec des cétones, avec des essences en fait. Et c'est ça que l'on appelle les huiles essentielles, c'est ça qu'on va extraire dans les plantes quand on veut des huiles essentielles. C'est des dérivés de sève brutes qui sont par oxydation successive. Oxydation, c'est pas normal pour une plante. Si on oxyde une plante, ça veut dire qu'il y a de l'air qui rentre dans une plante avec des tuyaux sous tension. S'il y a de l'air qui rentre, c'est pas super intéressant. Donc en fait, par oxydation, par rentrée d'oxygène, la plante va fabriquer des tanins et des phénols qui vont lui permettre de boucher ces trous-là. Bon, on va y revenir. Donc, imaginez que vous êtes un champignon et que vous devez décomposer le bois. Forcément, si vous devez décomposer des vaisseaux qui sont gros et avec beaucoup d'espace et qui ont été fabriqués à un moment donné où l'arbre il avait plutôt besoin de croître, c'est beaucoup plus facile à décomposer que d'arriver sur des vaisseaux denses et chargés de tanins et de phénols. Et donc, la manière dont va être construit la plante, ça va freiner la propagation des champignons dans ce sens-là. C'est-à-dire que le champignon va arriver à décomposer là, et là, il va arriver sur cette partie-là plus dense, il va avoir plus de mal à la décomposer, d'accord ? Donc ça, c'est la paroi numéro 2, donc c'est les cernes annuelles. Je commence pas par la paroi numéro 1, mais c'est par souci, c'est plus pratique pour moi, vous allez voir. Ces vaisseaux-là, ils sont... On pourrait les représenter comme ça, connectés entre eux en longueur, d'accord, et aussi de manière latérale. Donc la sève circule à travers ces vaisseaux et est capable de circuler d'un vaisseau à l'autre, je peut-être change de couleur, d'un vaisseau à l'autre, et aussi certaines fois en latéral d'un vaisseau à l'autre. Alors en fait, Elle circule par ce que l'on appelle des ponctuations ou des petites membranes, en fait, des petites parois. En fait, si on regardait ça de plus près, si on faisait deux vaisseaux plus gros comme ça, ça aurait à peu près cette tête-là. Entre deux vaisseaux, comme ça, et on pourrait la voir aussi ici d'ailleurs, de la même manière. Donc là, il y en a des dizaines, hein, je force le trait. En fait, on a une circulation de sève entre ces deux vaisseaux. Donc imaginez que vous avez une tension de moins 5 bar ici, de moins 5 bar ici. Vous avez cette petite membrane qui est à l'intérieur, qui est complètement flottante puisqu'on a une tension égale entre les parties des vaisseaux. Mais si tout d'un coup vous faites rentrer de l'air dans un des vaisseaux ici, c'est-à-dire que vous cassez et vous libérez, ou alors que vous avez trop de tension parce que vous avez une sécheresse et vous avez une cavitation qui se forme, vous avez une tension qui passe de moins 5 à la pression atmosphérique ambiante de 1 bar, d'accord ? Donc si vous avez 1 bar ici et moins 5 bar ici, cette petite membrane va se retrouver collée complètement ici, d'accord ? Elle va se retrouver collée complètement ici et va se retrouver à reformer l'étanchéité de ce vaisseau qui va pouvoir continuer à faire circuler la sève ici. Ça, c'est un système pour
maintenir la capacité de la plante à faire circuler la sève à l'intérieur de ses vaisseaux. Ok? Donc là, on en a partout de ces petits vaisseaux, de ces ponctuations. Donc ce phénomène-là, ça s'appelle le tillage des vaisseaux. Peut-être vous en avez entendu parler, le tillage des vaisseaux. Donc le tillage des vaisseaux, c'est la paroi numéro 1. Je crois que c'est comme ça. Ça va être une technique plutôt pour l'arbre de maintien de la circulation de la sève. Et donc ça va freiner la propagation éventuellement des champignons un petit peu dans ce sens-là, du haut vers le bas. Vous comprenez bien, le champignon il arrive ici, c'est ouvert, là il est peinard, il peut rentrer, et puis il arrive ici, ben, la porte est fermée, donc il va falloir qu'il décompose et qu'il consomme cette petite paroi avant de pouvoir rentrer dans le vaisseau d'à côté. Donc il y a quand même une protection. Peut-être que j'ai oublié de contextualiser qu'est-ce que c'est un champignon. Est-ce que ça c'est un champignon là? Ceci n'est pas un champignon. Ceci est une partie du champignon. C'est un sexe de champignon. En fait, le champignon, il faut plus le considérer comme ce que l'on appelle le mycélium. Donc cette partie-là, racinaire, quelque part, qu'on pourrait faire par analogie penser à racine. En fait, ce champignon, c'est plus ça, c'est plus le mycélium. Et au bout de chaque bout de mycélium, comme ça, il y a une partie, une espèce d'usine à décomposer que l'on appelle les ifs, d'accord ? Et ces ifs-là sont des usines à fabriquer des acides de décomposition des matières organiques. Donc, à quelque part, le champignon, il consomme pas en croquant, il consomme en dissolvant, d'accord ? Donc, il va dissoudre petit à petit la matière. Donc, quand on parle de ces ifs-là, on parle d'un système racinaire en quelque part, d'un système, c'est pas des racines, hein, c'est vraiment, je l'ai dit, pas des mycorhizes, non ? Du mycélium. Et ce mycélium-là va, être facilement déplacé dans la plante et reproduit jusqu'à arriver à un endroit où l'if a besoin de décomposer et il va continuer à décomposer la plante et la consommer. Donc le champignon, c'est plutôt cette espèce de filament-là, d'accord, qui décompose la matière. Il faut le voir un peu de cette manière-là, plutôt que... Donc en fait, si vous enlevez cette partie-là, si vous enlevez le fruit, si vous enlevez le carpophore du champignon sur votre arbre fruitier, vous enlevez la pomme sur le pommier. Vous n'avez pas enlevé le champignon, d'accord ? Ça ne sert à rien d'enlever le champignon. L'entour de grandeur entre un mycélium et un vaisseau d'arbre, c'est quoi ? Tu pourrais en mettre combien de mycélium dans le tuyau du vaisseau ? 100, 10, 3 ? Suivant les champignons, 100. Ouais. Sur un gros vaisseau, comme tu dis, les vaisseaux de printemps, là, qui sont gros ? Ça dépend des champignons, mais 100. Ouais, entre 10 et 100, quoi. Ouais. Ouais, entre 10 et 100 parce qu'il y a quand même, il y en a qui sont quasiment invisibles à l'œil nu, et il y en a qui sont vraiment visibles à l'œil nu. Et puis il y a des vaisseaux visibles à l'œil nu et des vaisseaux presque pas visibles à l'œil nu. Par exemple, les végétaux à zone poreuse, tu vois les vaisseaux à l'œil nu, quoi. Hein. Tu pourrais même aspirer dedans, quoi. C'est-à-dire, tu coupes un sarment de vigne, t'aspires, ça vient. Donc et puis tu regardes vraiment de près, tu vois les vaisseaux, tu vois les trous, quoi. On se demanderait presque si tu prends un morceau qui fait 3 cm, tu verrais pas à travers, quoi. Donc c'est une stratégie de croissance hyper rapide. La vigne est capable de faire 10 mètres dans l'année, donc elle, il faut que ça débite, quoi. Par contre, s'il y a un problème, ça se passe mal. Mais elle est capable d'en remettre beaucoup, donc c'est des stratégies de vie, hein. Des stratégies de vie. C'est rigolo parce que ces stratégies de vie, là... On en reparlera parce que je vais m'éloigner. Là, c'est important de rester centré sur ce truc-là. Donc, on a quelque chose qui freine la propagation des champignons dans ce sens-là, qui s'appelle le tillage des vaisseaux. Hein, d'accord ? Et puis, il y a une troisième paroi. Cette troisième paroi-là, elle va être, encore une fois, passive et réalisée par ce que l'on appelle des rayons médulaires. Donc je fais ça sous forme de plaque, c'est une grande plaque comme ça, qui a une longueur limitée, je ne sais pas par quoi elle est limitée, et qui est fabriquée aussi tous les ans de la même manière et reproduite. Donc d'année en année, on a quelque chose comme ça, ça s'appelle des rayons ligneux ou rayons médulaires, d'accord ? Rayons médulaires parce que souvent, médulaire, c'est lié à moelle et c'est connecté à la moelle.
D'accord. Les rayons médullaires dans un végétal, ça a plusieurs ligneux, ça a plusieurs utilités. Principalement, d'abord, une utilité mécanique. C'est-à-dire une utilité mécanique. Si on fabriquait du bois sans rayons, on aurait mécaniquement l'incapacité à faire quelque chose de souple. Dès qu'on pencherait un peu, on aurait un décalage entre les cernes qui fait que le bois se briserait à chaque fois qu'on le tord. Donc c'est un rôle mécanique d'acceptation de la flexion en fait. D'accord ? C'est ces grandes panneaux là. Et donc ces panneaux sont constitués principalement de lignine. Cette lignine là, elle est assez dense et elle fait une. C'est elle qui fait comme un maillage assez dense dans le végétal. Elle a aussi un rôle primordial qui est le rôle de stockage des réserves dans la plante. C'est-à-dire qu'une plante ligneuse, pour arriver à fonctionner, vous imaginez que pendant 6 mois, elle a du feuillage, mais même peut-être même moins que 6 mois, mais elle a du feuillage pendant 6 mois, et pendant les 6 autres mois, elle n'a plus de feuillage, et au printemps, elle est obligée de redémarrer, alors qu'elle ne fabrique pas de photosynthèse. Jusqu'à ce que les feuilles soient complètement développées, elle ne fabrique pas de photosynthèse. Donc, entre le moment où elle démarre, début avril, et le moment où elle a mis en place ses feuilles, il se passe des fois bien un mois. Et des fois même, elle fait ses fleurs avant de faire ses feuilles. Donc, il faut bien qu'elle trouve l'énergie en quelque part. Et cette énergie-là, c'est l'énergie qui est stockée sous forme de réserve dans la plante, dans ce qu'on appelle les rayons médullaires. Donc, dans ces rayons-là, vous en avez beaucoup, hein, des rayons. Hein, on regardera tout à l'heure, sans doute on fera quelques coupes. Là, sur le platane, on le voit assez peu, mais en fait, il y en a des milliers et des milliers qui sont tout fins. Et puis, chez le chêne, on le voit énormément, parce qu'il y a des fois, ça fait 1 mm de large, quoi, ces rayons. Et donc, c'est le siège de stockage des réserves. Et il stocke ses réserves, l'arbre, pas sous forme de sucre simple, parce que ce serait trop dangereux. Imaginez, sous forme de sucre simple, ce serait appétant, donc il se ferait manger de manière terrible. Donc il stocke, et puis en plus de ça, stocker du sucre, c'est compliqué, parce que ça fermente le sucre. Donc il ne peut pas stocker du sucre. Donc il le stocke sous forme d'amidon, en fait. Il a un système de stockage sous forme d'amidon. Et donc, cet amidon est stocké dans ses rayons médullaires. C'est assez malin parce que ces rayons médullaires, ils sont connectés à la partie vivante de la plante, hein, la partie vivante, vous rappelez, qui est le cambium et la partie de circulation de sève élaborée, qui est le libère. Donc, à chaque fois, ces rayons, ils sont connectés ici. Et donc, tous les ans, le cambium fabrique un peu plus de rayons médullaires et on a une connexion entre l'intérieur de la plante et l'extérieur. Alors que tous les vaisseaux qui sont ici, on pourrait les considérer comme morts, simplement efficients dans la circulation de la sève, d'accord ? En capacité de faire circuler la sève. D'ailleurs, dans la plupart des arbres, si on fait le test, on s'aperçoit que les vaisseaux qui sont en fonction pour faire circuler la sève, ça va être ceux-là, un peu là, et puis un tout petit peu ici, pas mal ici, puis après plus rien. Donc en fait, il va utiliser les 2-3 dernières années de vaisseaux pour faire circuler sa sève brute. Il est tout à fait capable d'utiliser les vaisseaux de l'intérieur. Mais il n'en a pas besoin. Ça fait beaucoup trop de vaisseaux pour aller alimenter en haut. D'accord ? Mais si on a des phénomènes de cavitation, c'est-à-dire que si on a un phénomène de cavitation ici, il est capable de faire circuler de l'eau dans ses vaisseaux à l'intérieur. En fait, c'est en permanence dans le bois. Donc tous les ans, il fabrique en longueur. D'accord ? Donc là, le bois que je dessine, finalement, il faudrait le dessiner en circulaire, comme ça. Hein ? D'accord ? Ok ? Et donc ça a 1 an, 2 ans, 3 ans. D'accord ? Et donc tous les ans, ils fabriquent des rayons de plus en plus, qui grandissent en longueur. Tous les ans, ils grandissent en longueur. Ça dépend des végétaux, bien sûr, parce qu'il y a tous les végétaux qui fabriquent de ce qu'on appelle du duramen. Hein ? Ok ? Donc le duramen, lui, donc comme justement le chêne ou pas mal de résineux, donc ils stockent et après ils oublient, ils chargent les vaisseaux de tanin et de phénol, et puis après ils les oublient et ceux-là sont totalement inutilisables. Mais donc le chêne va fonctionner uniquement de la même manière sur l'aubier. D'accord ? Il y a des arbres qui ont juste ce qu'il faut d'aubier, comme l'acacia par exemple, il a 2 ans d'aubier, des fois 2 ans et demi, mais donc il a tout juste ce qu'il faut pour fonctionner comme ça. Voilà. Mais par contre, s'il a un problème, lui, ça se passe très mal. Il va sécher d'un coup et puis pas être capable de se régénérer. Alors qu'un tilleul, par exemple, lui,
va être capable, si tu lui bouges tous les vaisseaux de l'extérieur, de faire circuler la sève par les vaisseaux de l'intérieur. Mais c'est forcément un peu plus complexe, hein, puisqu'en fait, tu te retrouves à faire fonctionner des vaisseaux à l'intérieur qui sont moins connectés. En fait, une plante, on va le voir après, mais il est obligé de faire circuler sa sève comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour aller réalimenter la plante à l'extérieur parce que ces vaisseaux-là ont été abîmés. D'accord ? Donc, bon, c'est moins efficient quand même. Hein, c'est pas l'idée, mais il est capable. Il y a tellement de manières de fonctionner. D'ailleurs, rien que dans la manière de se comporter par rapport au cambium, il y a à peu près une manière par arbre de fonctionner par rapport au cambium. Puisque regardez, tous ont des écorces différentes. Et l'écorce, c'est le reflet de l'activité du libère. Et donc, en fait, ils ont tous des manières différentes de fonctionner avec leur... Pendant longtemps, je cherchais dans les bouquins, mais comment ça fonctionne réellement, le cambium. Ces idées, alors oui, de cambium, d'acide subéro-phélodermique, et en fait, tu le retrouves une fois, puis l'autre fois, tu le retrouves pas, et puis en fait, c'est extrêmement complexe, et chaque plante a des manières différentes de fonctionner. On va essayer d'approcher un peu ce fonctionnement-là, mais il faut y aller sur des œufs, parce que elles sont toutes différentes. Parce que tout ça, là, on les distingue, cambium, je vais vous les détailler parce que sinon, peut-être certaines personnes ne comprendront pas, mais c'est indifférencié en fait. Hein. On n'arrive pas trop à dire, tiens, là, il y a le cambium, là, il y a le libère, là, il y a l'acide subéro-phélodermique, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Il y a des fois, on est un peu perdu. Bon, c'est indifférencié, comme ils disent. Bon, et puis diversifier en fonction des végétaux, c'est ça qui est génial. Juste pour finir quand même avec la compartimentation, parce que imaginez donc que l'amidon c'est totalement indigeste pour un champignon. Aucun intérêt. Il faut être capable de faire l'amylase pour utiliser l'amidon, ou d'hydrolyse pour un végétal. Mais le champignon est incapable. Donc le champignon, lui, il va manger ça comme si c'était de la lignine, pas autrement. Et ça, c'est comme c'est indigeste, ça freine la propagation des champignons dans cet axe-là. D'accord ? Donc, si on relie les trois systèmes, on pourra faire quelque chose qui va ressembler à ça, un peu, schématiquement. D'accord ? Ce que l'on appelle un compartiment. Et donc, c'est ça, c'est pour ça qu'il a appelé ça compartimentation. En fait, il a appelé ça exactement, si vous cherchez, ça s'appelle le CODIT. Compartimentation of Decay in Trees. CODIT, c'est hop là, decay in trees. Ok ? Il a appelé ça le CODIT, Alex Chaigo. Donc vous voyez, ça c'est les trois systèmes de je dirais passifs de limitation de l'expansion du champignon à l'intérieur du végétal. Donc plus un arbre va fabriquer un bois dense et plein de tanins et de phénol, plus il va conserver longtemps son bois. En fait, c'est des stratégies de vie. Hein. C'est des stratégies de vie. On peut imaginer le peuplier, lui, il est assez mauvais en fabrication de bois, mais par contre, il en fabrique beaucoup. Donc, il a tendance à laisser son bois, tant pis, et puis à fabriquer beaucoup, mais aussi se reproduire très facilement, voire même être capable de faire casser une branche, de la replanter au sol et de repartir. Ben, il a une stratégie de vie hyper dynamique, quoi, de reproduction. Et d'ailleurs, si on fait une infusion de feuilles de peuplier, on va avoir quelque chose de phytostimulant ou biostimulant. Et si on prend le chêne à l'opposé, le chêne, lui, ben, il va avoir plutôt une croissance lente, il va mettre beaucoup de temps à pousser, il va être incapable, on peut pas greffer un chêne, le gui a du mal à s'y mettre, on a une protection qui est très importante, son bois, même mort, il met très longtemps à pourrir, il est quasiment imputrescible, le bois de cœur, d'accord, il fait du bois de cœur, tout ça, ça coûte très cher, mais du coup, il vit beaucoup plus longtemps. Et si on fait une infusion de feuilles de chêne, on aura quelque chose de fongicide, de bactéricide. C'est étonnant. Mais finalement, ça fonctionne comme ça dans le vivant. Les plantes qui ont tendance à se concentrer et à être plus lentes ont tendance à vivre plus vieilles que les plantes qui poussent très rapidement. Bon, rien d'étonnant. Il y a des plantes qui sont pionnières et des plantes qui arrivent après. Ça fait partie d'un cycle global. Alors, sur le cambium, ce qui se passe là sur le cambium, c'est-à-dire que le cambium... Comment je vais pouvoir dessiner ça? Donc là, on a les vaisseaux en train d'être créés. Donc il ne faudrait même pas que je dessine ça comme ça. Je peux dessiner ça comme ça. En fait, c'est même plutôt des formes carrées comme ça, là, étonnamment. Les cellules agencées les unes sur les autres. Puis des vaisseaux à l'intérieur.
Bon, le cambium, arrivé au printemps, il va commencer à croître. Et sur la plupart des arbres, ce qui va se passer, c'est que le cambium fabrique d'un côté du bois à l'intérieur. Il va fabriquer du bois, donc là, il va fabriquer des nouveaux vaisseaux et puis après, il va se retrouver éjecté à l'extérieur. D'accord ? Il fabrique, il avance. Et de l'autre côté, il fabrique du libère, des vaisseaux du libère. Donc des vaisseaux conducteurs de sève élaborée. D'accord ? Tous ces petits vaisseaux criblés là, d'accord ? Mais, donc ça c'est toujours, en simplifiant, c'est comme ça que ça se passe. Ça fabrique des vaisseaux qui eux, ben, vont se retrouver à l'automne d'après, abandonnés et se transformer en écorce en quelque part. D'accord ? Éjectés vers l'extérieur et transformés en écorce. Donc ici, on a les vaisseaux du libère des années d'avant. Donc ça c'est la manière la plus simple de fonctionner. D'accord ? D'un côté je fabrique du bois, de l'autre côté je fabrique de l'écorce. Tous les ans, mon écorce me permet de descendre la sève élaborée et meurt et se transforme en liège. Ça c'est, par exemple, sur la vigne, ça fonctionne comme ça. D'accord ? Très simple. Ce qui ne nous permet pas de voir que tous les ans ça grandit, c'est que ben, c'est caché par les écorces tout le temps, le fait que ça grossisse en diamètre. Et après, il y a une autre manière de fonctionner, qui est peut-être plus courante chez les arbres fruitiers quand même, qui est que au printemps, dans un premier temps, le cambium va se diviser en deux. Un cambium qui va fabriquer du bois d'un côté et des vaisseaux du libère de l'autre, et l'autre cambium qui va se mettre à fabriquer du libère, du subère, donc du liège, et aussi des fois un petit peu de l'autre côté du libère, des vaisseaux de circulation de sève. Donc le cambium va se séparer en deux, donc un cambium spécialisé dans la fabrication du bois, et un cambium spécialisé dans l'étanchéité de la fabrication du bois, en quelque part, dans le subère, puisque le liège, lui, va être là pour garder étanche le système. Okay. Et ça, tous les ans, c'est cette partie-là qui va se retrouver à moitié digérée, donc à moitié réabsorbée par le cambium, et à moitié laissée en pâture, et séchée et abandonnée. D'accord ? Donc on a toujours ici, c'est ça qu'on va appeler l'acide subérophélodermique, là, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, qui va fabriquer le subère et le liège, qui fabrique de l'écorce, donc tous les ans il fabrique de l'écorce, et puis il y a cette partie entre les deux qui est à moitié digérée, à moitié laissée en pâture, en transformation en écorce. S'il se divise en deux, c'est parce qu'il a une plus grosse croissance qu'un chêne, par exemple, ou est-ce que les fruitiers qui vont avoir tendance à diviser leur cambium en deux, c'est parce qu'ils ont une croissance importante ? Je crois que c'est plus génétique. C'est génétique. Je crois que c'est plus génétique. Ça explique les différences d'épaisseur d'écorce selon les arbres ? Ça explique ? Ou aussi les écorces qui sont fissurées ou pas ? Alors la fissuration, elle est expliquée aussi. Ouais. En fait, mécaniquement, ce qui se passe, c'est que si vous avez cette année un arbre qui fait cette taille-là et qu'il fait une croissance, qui fait une grosse croissance l'année d'après, donc il fait une croissance comme ça, là, je découpe l'écorce. Ici, ça, c'est l'écorce de l'année dernière, d'accord ? Donc l'écorce, elle est mécaniquement éjectée vers l'extérieur. Donc, elle a beau avoir une élasticité, si je reprends ça, ça et ça, je me retrouve ici avec une espèce de fissure qui fait que je revois à l'intérieur l'écorce de l'année. D'accord ? Et d'année en année, on va se retrouver avec des comportements comme ça. Qui fait qu'on a des écorces de 2 ans, des écorces de 3 ans, des écorces de 3 ans, de 2 ans, de 1 an. D'accord ? Et donc c'est ça qui fait qu'on a cette espèce de fissuration des écorces. Et comme on voit qu'on peut même reconnaître les arbres en fonction de leurs écorces, on s'imagine que les fonctionnements du cambium sont différents, aussi différents qu'il y a d'arbres. Délire. Oui, mais alors ça m'a pas fait aller au bout du système. C'est-à-dire que là il y a ces trois systèmes là de défense. Donc là j'avais dit, j'ai pas fini de marquer. Ici ce sont les rayons médulaires ou le rayon ligneux, ok. Ces rayons là qui font donc une limitation à la propagation des champignons. C'est ça qu'on appelle le compartimentation. Mais il y a une autre paroi, une dernière paroi qui est elle encore plus intéressante, qui est la paroi créée par le cambium. Donc, je rappelle qu'une plante, c'est un système sous tension.
donc avec une absorption par les feuilles. Donc s'il y a une porte de sortie par les feuilles, donc hop, on a les feuilles, toute cette circulation de sève est utilisée. Mais si tout d'un coup je coupe ici et que je me retrouve juste avec une branche sur le côté, par exemple, ben, tous mes vaisseaux qui étaient en place ici, tous les vaisseaux là, se retrouvent à l'air libre et se retrouvent à ne déboucher sur rien. D'accord ? Donc là, on coupe, on fait rentrer de l'air, et en plus de ça, les vaisseaux ne débouchent sur rien. Et la plante, pour fonctionner, elle est obligée d'avoir de l'étanchéité. Imaginez sous tension, si on veut fonctionner sous tension, il faut absolument avoir une étanchéité au moins contrôlée, quoi. Hein ? Au moins à l'entrée, par le système racinaire. Hein ? On a différentes voies de circulation de l'eau dans le système racinaire avant que ça rentre dans les vaisseaux. Ça ne rentre pas directement dans les vaisseaux. Hein ? Je ne sais pas si ceux qui ont fait un peu de science, il y avait la voie symplasmique et la voie apoplasmique, donc vous ne vous rappelez pas de ça ? Le cadre de Caspary, là, ça vous dit rien ? Bon, c'est pas grave en fait, on s'en fout un peu. Mais l'idée, c'est que ça rentre dans la plante par un système un peu de paroi, de membrane. Ça rentre dans le vaisseau, et une fois que c'est dans le vaisseau, là, c'est étanche jusqu'à la feuille qui elle-même a un système de transvasement du vaisseau vers les stomates qui est plus ou moins étanche, d'accord ? Donc cette étanchéité là, elle est mise à mal dès qu'on fait une coupe, donc on a de l'air qui rentre et la plante a besoin de recréer l'étanchéité. Le seul moyen qu'elle a de recréer l'étanchéité, c'est de créer autour de cette coupe une espèce d'écorce interne à base de tanin et de phénol. Cette écorce interne va protéger le bois nouvellement formé, le bois qu'elle va former après la coupe, du bois formé avant la coupe, donc de l'air que l'on a fait rentrer dans les vaisseaux là. Donc la plante va se retrouver à abandonner totalement le bois à l'intérieur et ne plus se concentrer que sur la croissance des vaisseaux qui correspondent à la croissance de la nouvelle branche. Année après année, la plante va se retrouver à grossir et de nouveau former des vaisseaux et de nouveau avoir des rayons médullaires disponibles et de la circulation de sève. Mais tout ce qui est à l'intérieur ici va être complètement laissé en pâture et abandonné, laissé en pâture aux champignons et abandonné, simplement parce que l'écorce interne, là, isole la partie de circulation de la plante, la partie vivante de la plante, de la partie qui a été mise en contact avec l'air. C'est un système de recréation de l'étanchéité. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tout l'hiver, là, il se passe à peu près rien dans la plante, à peu près quand même, hein, parce que faut pas déconner. Mais il se passe des choses quand même, un peu, mais c'est beaucoup plus lent, c'est vraiment très lent, c'est beaucoup plus lent que le développement d'un champignon, par exemple. Donc en fait, là, ça va être freiné et la partie intérieure va se retrouver, au printemps, être inexploitable, puisque ces vaisseaux ne débouchent sur rien. Donc ces vaisseaux vont être perdus. D'accord ? C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est important de faire partir sur un tire-sève, cette notion de tire-sève là. Cette notion de tire-sève, elle est de dire je continue à alimenter ou à utiliser une partie des vaisseaux qui sont encore en place dans la plante.